Ça va ? T'as vu le temps de l'instant ? Il y a une image comme ça.
Je pense que la scène est un passage obligé. C'est surtout quand on passe en scène, on imprime. Parce que les deux spectacles qui n'ont pas été donnés devant le public, on les a répétés. On a répété le Coppelia et là, ça a été vraiment terrible. Ça a été une déchirure parce qu'on était en filage costume à l'école et deux jours après, c'était le confinement. Donc, on était totalement aboutis. Il ne nous manquait que d'être sur scène. L'autre spectacle, le plateau, et c'est aussi une étape pédagogique très très importante pour les élèves et en particulier les danseurs qui sont dans la dernière classe de l'école, parce que c'est le point final de leur scolarité et c'est la possibilité pour eux d'aborder des rôles, d'interpréter des personnages ou d'être dans d'autres styles. Ça n'est pas que de la technique là, c'est vraiment du spectacle et c'est pour eux une boucle bouclée très très importante. Je ne vous cache pas, c'était très difficile de garder le moral et de continuer à se motiver pendant le confinement. Donc, se dire qu'enfin, on a retrouvé notre chère scène et le public, l'adrénaline et tout ce mélange d'émotions, c'est finalement nous a rappelé pourquoi on est ici et pourquoi on a travaillé, pourquoi on a tenu le coup après toute cette période. Et puis on a l'habitude de venir voir les danseurs au corps de ballet dans Garnier ou Bastille et de pouvoir danser sur la même scène. Je pense que ça nous fait rêver. Du coup, forcément, c'était la première fois que j'avais l'occasion de travailler en premier rôle. Et enfin, du coup, c'est quelque chose de nouveau pour moi de travailler vraiment un personnage, de travailler une attitude, des regards, des gestes, tout ça. Enfin, c'est quelque chose de nouveau pour moi et c'est super intéressant. Enfin, j'adore faire ça sur scène. C'est surprenant parce que moi, j'avais un peu peur de leur réaction de ce retour en scène parce que Garnier, c'est une scène impressionnante. Il y a une pente, c'est mythique, il y a un lourd passé. Et je ne savais pas du tout comment ils allaient réagir. Et j'ai été agréablement surpris parce qu'ils ont vraiment pris possession du plateau. Du coup, je pense qu'on a fait du bon travail en amont, en studio.